passe aujourd'hui. Le peuple africain a besoin qu'on les respecte. Regardez aujourd'hui la majorité de ceux qu'on tue. Plus on tue les gens qui sont dans les villages. Quand nous regardons le Kivu, RDC, au Kivu là-bas, c'est une province, un village. Hein? Ceux qui vivent là-bas, ce sont des villageois. C'est ceux-là qu'on viole, qu'on tue. 99% de la population là-bas, il y a peut-être 2-3% qui connaissent les téléphones. Mais tout le reste, ils ne connaissent pas des téléphones. Ils ne connaissent pas des ordinateurs, ils ne connaissent pas des télés. Mais pour cela, à cause de leur minerie, les richesses qui sont sous le sol, on vient, on les viole, on les massacre. Exactement comme chez moi au Poul, au Congo-Brazzaville, on massacre. On va où? On va où? Il est temps aujourd'hui que nous puissions dire à la France, c'est fini de jouer avec le peuple africain. Il est temps. Tous les Africains, nous devons nous mettre un. Quand nous allons nous mettre un, nous arriverons. Écoutez-moi bien. On arrivera. On arrivera au nom de Dieu. Et on arrivera, on s'en sortira bien. Écoutez-moi bien. Parce que c'est le moment. C'est le moment de dire à ceux qui nous massacrent qu'assez. La foutaise, tout ce que la France est en train de faire, les autres occidentaux de massacrer le peuple africain, c'est la vraie foutaise. Et nous devons être debout. Nous avons besoin, comme j'ai toujours dit, nous avons besoin que l'ancien président de la Côte d'Ivoire, qui était enlevé de force par Sarkozy, l'Hongrois de merde, qui avait fait un coup d'État à Bagbo. Parce que ce que Sarkozy a fait, c'est double coup d'État. Donc, enlever Bagbo pour placer Ouattara, que le petit préfet de la France-Afrique de merde. Bagbo, le jour quand il sortira de la CPI, lui, il a des dossiers tangibles contre la France. Ah oui. Ah oui. Donc, le message est clair. J'ai tout dit ce qu'il fallait dire. Donc la DST, tous les services de renseignement français. Parmi vous, il y en a qui savent ce qui se passe, le jeu de la France-Afrique de merde. Mais d'autres, ils ne connaissent pas la réalité des choses. Parce que vous devez connaître la réalité des choses. Imaginez-vous qu'un coin comme Bordeaux, des rébellions viennent se mettre à violer et à massacrer des milices hein, que Hollande envoie. Est-ce que les autres vont regarder comme ça? Non. Donc c'est ce qui se passe au Congo-Brazzaville, au Poul. Sassou envoie des milices pour aller tuer des populations. Mais c'est là quand je regarde avant, quand Pasteur Toumi était dans la forêt, quand ils sont venus dire non, il faut faire sortir les armes. Il faut nous donner signe la paix. Mais Pasteur Toumi a signé devant les blancs. Il a fait sortir des lance-roquettes. Mais Pasteur Toumi, il y a des lance-roquettes qu'il ne fallait pas donner à l'homme blanc. Parce qu'aujourd'hui, regarde, eux, ils sont en train de donner pas mal des hélicos, des armes lourdes
à Monsieur Wilson pour tuer le peuple. Mais c'est là où ce que j'ai dit, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de droits humains. La vie humaine, elle n'est plus respectée. On tue l'être humain, c'est comme si c'était des troupeaux d'élevage de poules. Non, mais on va où? Des êtres humains, on les tue comme si c'était l'élevage de troupeaux de moutons ou de poulets, de fermes. Nous avons besoin de nous lever, nous avons besoin d'être efficaces et avoir une détermination très efficace. Il n'y a que ça que je peux dire. J'arrive. Donnez-moi un instant, j'arrive. Donc, tous les parents congolais, tous les parents de toute l'Afrique, nous devons être un. On tue au Congo-Brazzaville. Soutenez tout le peuple congolais de Brazzaville. Nous devons nous asseoir sur des tables et afin de pouvoir en découdre avec tous ceux qui massacrent énormément chez nous. Il est temps que nous puissions en finir. Quand je vois les femmes aujourd'hui, la femme, oh non, 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 les femmes, vous êtes bénies de Dieu. Mais quand je vois comment on vous tue les femmes, quand je vois comment on vous massacre, hein? Comment on détruit la matrix de la femme. Comment j'ai mal au cœur. Je dis non. Non. La femme, elle n'est plus respectée. Les enfants, enfants mineurs, enfants, le mot enfant, ces enfants sont violentés sexuellement et tués. Ça fait mal. Ça se passe en RDC, au Congo-Brazzaville. Et au Gabon, il y a eu cela aussi. Nous avons affaire à des vrais malades, des gens qui n'ont pas d'estime du peuple. Oui, mon frère Elvis Kakou, tu as raison. Crise aux poules au Congo. Sassou Denis s'obstine dans la bêtise. Il fatigue.
Le monde. Ah oui. Oui, il fatigue le monde parce que la France encourage tous les crimes que ça suffit. Mais ça finira. Ça finira, mon frère Elvis. Ça finira un jour, Kakou. Ça finira. Dieu est grand. Donc, nous devons à tout prix chercher des solutions très efficaces. Parce que, écoutez bien, tout le travail que nous faisons dans les réseaux sociaux, les marches, les sites, les sittings, ça fait beaucoup bouger. Les gens en parlent. Ils en parlent. Et il faut qu'on continue à être efficace, avoir la fermeté. Vous voyez le peuple gabonais. Le peuple gabonais ne lâche pas. Jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. Ils sont debout, hein? Toujours avec une fierté énorme, efficacité, pour en découdre avec le cafard d'Ali Bongo, Satan, le Biafra de merde. Mais le peuple gabonais est un peuple béni, efficace. Et ils vont arriver à écraser Ali Bongo, ça va venir. Parce que Dieu le Père mettra fin aux œuvres d'Ali Bongo. Ali Bongo n'est pas Dieu. Ali Bongo n'est pas le prophète Mohamed. Seul que le prophète Mohamed, ou Jésus-Christ, que Dieu a donné la connaissance, oui. Mais Ali Bongo, un Sassou, tous les grands criminels, non? Nous allons arriver. Rien ne nous fait peur. Nous arriverons parce que pendant l'esclavagisme, l'être humain noir a été trop torturé, trop massacré. L'être humain noir a été mis dans des bateaux direction un aller simple sans retour. L'homme noir a trop souffert. Aujourd'hui, on va encore faire souffrir l'homme noir. Il n'est pas question. Non. Donc c'est fini cet amusement. Donc, les services de renseignement français, vous ne faites peur à personne. Nous sommes nombreux, nous ferons tout pour libérer l'Afrique. Je ne suis pas seul. Nous sommes plusieurs. Nous allons libérer l'Afrique. Et l'Afrique, ça se fera. La libération de toute l'Afrique. Et le peuple africain vivront mieux et seront mieux respectés dans le monde. Tous ceux qui massacrent, tous ceux qui violent, leur temps arrivera où ce que Dieu va les écraser et eux-mêmes ils comprendront pas. Chaque chose a son temps dans la vie. Samuel Doe, il a fini comment? Samuel Doe, qui massacrait des gens énormément. Mais Samuel Doe, il a eu à dire, j'ai des milliards, j'ai des milliards dans des comptes, je veux vous donner, ne me tuez pas. Mais ils ont coupé d'abord son oreille. Ils l'ont torturé jusqu'à ce qu'ils l'ont tué. Mais ils l'ont tué à petit feu. Donc c'est pour dire, monsieur 8%, petit préfet de la France-Afrique de merde. Mais sa fin va être terrible. Tous ceux qui font du mal énormément en Afrique. Mais la fin va être terrible. Parce que l'homme noir a été trop rabaissé. L'homme noir a été trop massacré. En Afrique, le peuple africain, c'est comme s'ils n'ont plus de terre. En Europe, quand l'homme noir arrive, on lui fait encore la guerre. C'est comme si il n'a pas de place pour vivre. Il va aller vivre. Dans Mars,
Non, il faut arrêter. Donc, peuple africain, s'il vous plaît, levons-nous tous et soyons un. Et nous allons faire face aux individus terroristes, assassins du peuple du monde. Il est temps que nous arrivions. Il est temps que nous puissions en découdre avec ceux qui nous font du mal. Parce que trop, c'est trop. Que Dieu nous aide. J'en ai marre. Que Dieu vienne à notre aide pour en découdre avec tous ceux qui font du mal. Que Dieu Tout-Puissant puisse mettre un terme aux œuvres des démons dans cette vie. Dans cette vie, que Dieu puisse nous faire des hommes victorieux dans le combat que nous faisons de la libération de toute l'Afrique. Moi, mon souhait, c'est de voir que le peuple africain mange à sa faim. C'est de voir que la femme africaine soit respectée. Parce que la femme africaine n'est pas juste un élément du sexe. Ça me ferait énormément plaisir quand je verrai cette femme en Afrique sera respectée. Parce que la femme en Afrique n'est plus respectée. À cause de qui? L'homme blanc. L'homme blanc. Pourquoi? Pour nous minérer. Pour nous minérer. Donc il faut violenter la femme, il faut violenter les enfants, les massacrer. Non, que Dieu nous aide. Nous sommes des hommes efficaces. Sylviana et toi, écoute-moi bien Sylviana et toi, dis à Aristide mon bébé si, parce qu'il raconte trop de mensonges. Tu sais Sylviana et toi, tu sais Aristide mon bébé si, il n'a pas de maison ce Aristide mon bébé si. Il vit chez une dame à Cergy Saint-Christophe qui l'héberge. Aristide, mon bébé, si c'est quelqu'un qui fait trop de mal au peuple congolais, qui donne des renseignements à Sassou Nguesso. Donc, Aristide, mon bébé, si, moi, le fils d'un homme hypermon riche, et je vais tenir le sac d'Aristide, il est malade. Donc, dit Aristide, mon bébé, si c'est un fou. C'est un vrai malade. Aristide, mon bébé, si je lui avais dit, tu ne connais pas qui je suis. J'ai dit, moi. Tu ne sais pas qui je suis. Mon père qui a amené Sassou chez Foucault et Chirac pour que Chirac remette Sassou au pouvoir. Et Aristide va raconter des conneries comme ça. Mais Aristide, mais il a la gueule pour rien. Demande-le le nombre des enfants que j'ai s'il aime. Il a ces enfants-là. Ce tocard de malade. Qu'il aille se faire voir ailleurs. Mais le jour où je vais l'attraper sur la place de Paris, il va voir. Je vous remercie beaucoup. Passez une bonne journée. Donc, la DST française, je vous ai tout donné. J'ai tout expliqué. Donc, si vous avez besoin de me voir en face, je vous dirai plus sur les problèmes de l'Afrique. Okay. Oui, ce que je t'ai dit, je reviens encore sur toi, Sylviana, et toi, je t'ai bien dit la vérité, et c'est ça. Je crois même que je ferai une vidéo prochainement sur ça, où ce que je vais bien le pointer du doigt, ce cafard. Voilà. Donc, ce que je t'ai dit, c'est ça. C'est quelqu'un, il a la grande gueule pour rien. Les voitures qui roulent 4x4, qui montrent que c'est à lui, c'est même pas à lui. C'est des voitures qu'il loue. Il loue à long terme.
C'est pas à lui. C'est pas à lui. Hein? C'est un pauvre type. Lui, il peut être guérisé par les kiki, caca de merde. Ou les Edgar Sassou peut le corrompre, mais moi, on ne peut pas me corrompre. Parce que je ne sors pas d'une famille de merde. Donc, Sylvia, voilà. Tout ça, il faut lui dire, Sylvia. Parce que c'est quelqu'un de menteur. Il ment beaucoup. Il ment beaucoup plus que sa merde qu'il va jeter aux toilettes. Donc, merci beaucoup. Passez une très bonne journée. Que Dieu vous garde bien. Nous arriverons. Nous arriverons, nous sortirons de toute la merde. Nous sortirons de toute la merde parce que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. L'Afrique avancera. Donc c'est ce que j'avais dit, envie de dire. Voilà. Voilà, là ça a coupé.